Et salut les amis. Bon, aujourd'hui je suis parti tout seul parce que comme j'arrive pas à les suivre, on va essayer de se refaire la banane un petit peu de mon côté. Puis en plus comme la sortie elle était un peu plus loin, je me suis dit si je dois couper c'est con, enfin, tu vois, si j'arrive pas à un truc, autant partir pas loin. Du coup on est au plaid du fenouiller à la maison. Ça va être cardio donc ça va être dur, mais bon ça va pas faire dans tous les cas de mal, et on va se faire une petite sortie comme je la sens, avec du plaisir, même si elle n'est pas super longue. On verra en cours de route. Allez, ça part de là. Bon ben, le programme va être légèrement changé. On va rester sur la route. Il y aura peut-être moins de descente. Déjà que j'en avais pas prévu beaucoup. C'est pas bien grave. Il y a du coup la chasse sur tout le versant que je comptais faire. Bon, après, sortir et se faire un petit peu les jambes, c'est ce qu'il faut, donc c'est pas bien grave si on rate des descentes. Bon, c'est toujours aussi dur, les amis. Et quand je suis dans les montées comme ça, j'hésite même à tout stopper. Là, j'en ai plein les cacahuètes de me voir aussi mal, mais bon, dans tous les cas, il va falloir s'accrocher parce que ainsi de ce fois-ci, j'arrête pour dos. Donc, il faut pas. Allez, on serre les dents et écoute, on va essayer de se faire bien rapidement. Allez, en haut de la première montée, enfin. Putain, j'ai souffert. Hein. J'ai vraiment morflé. On va se faire un petit tronçon de descente, du moins essayer. Vraiment descente, je suis stressé, c'est impressionnant. Aujourd'hui le matos il a pas envie non plus, la caméra elle s'éteint toutes les deux secondes, c'est la misère. Comment ça me casser les graouilles, mais je crois que je vais pas faire long feu dans cette sortie. Quand ça va pas comme ça, ça va pas. Allez, première descente terminée. Allez, on a remis la GoPro 9 Warner, en espérant que celle-là elle marche. Puis l'autre dans la poche, hein. Elle va casser les glaouis. Il y a des jours comme ça, tu vois. Ça, normalement, je le passe bien et là, ça fait. Oh là, catastrophe. Allez, ça c'est fait. Eh ben, c'est reparti pour une petite montée. Raide. On va aller chercher le petit morceau là. En haut de la dalle de béton. Histoire de s'amuser un peu. Puis après, on va tourner les jambes. Là, montée dans le béton. Tu peux le voir. Elle est raide. Bon, elle est pas super longue. Après, ça continue un petit peu à monter dans la coile, pas beaucoup. Et après on se fait encore le pied. Morceau de descente. Ah ouais. C'est reparti pour un tour. Impressionnant. Oh.
Je ferai pas péter les chronos, hein. Je vous le dis les amis. Ah là là, c'est catastrophique en montée, c'est catastrophique en descente. C'est comme ça. Allez, on va finir celle-là. C'est bon celui-là, puis c'est bon. Allez, c'est fini. Allez, ça monte. Eh ben, on est sur la montée du retour. Écoute, j'ai fait demi-tour là. Au truc, je voulais aller rouler un petit peu jusqu'à la mer, mais pff, la flemme. J'ai pas le mental aujourd'hui, tu vois, quand tu vois que tu ramasses en montée. Quand descendre, c'est autant catastrophique. Bah tu vois là les copains qui te motivent, ça manque. Du coup, bah, comme j'ai dit, il faut que ça reste du plaisir et que là j'en prends pas. Eh ben on va couper là pour pas se dégoûter, on va rentrer tranquillement. Rester sur une note positive que au moins j'ai fait tourner les jambes. C'est toujours ça de fait. Toujours ça de pris. Donc ça sera pas une très très grosse sortie, mais ça sera toujours une petite sortie. Et puis quoi, on va se remotiver ou pas. Et je vous dis à dimanche prochain pour la troisième sortie d'affilée, micro sortie d'affilée. Mais on sera encore là sur le VTT dimanche prochain. Allez, bon week-end à tous. Ciao.